C'est le petit pour quiz. Que soyez naturel, comme. Enfin, voilà. Salut, on est là pour le film Mon Inconnu de Hugo Gélin, Benjamin Laverne, acteur dans le film, François Civil aussi. Un film avec notamment Joséphine Japy, Camille Lelouch et Amaury Criancourt. On les embrasse, des bisous, qui sort le 3 avril dans les cinémas. On est dans la box, la star box d'énergie, star box d'énergie. Go, 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 go! J'étais surprendre, enfin pas surprendre, faire une surprise à une fille que j'avais quittée comme un âne deux fois, puis j'ai essayé de la récupérer. Je suis allé à Angers avec toute une boîte de cadeaux, elle était pas au courant, elle était dans un jury de cinéma, je cherchais pendant toute la journée, en fait elle était en Bretagne, elle avait fait un aller-retour, elle est revenue le lendemain, j'ai dormi à l'hôtel, et finalement je l'ai vue, j'ai récupéré un peu le truc, et je jouais à la Comédie Française le soir même. J'ai sauté dans un train au dernier moment, le train est reparti par Paris, s'est arrêté au Mans, rupture de caténaire sur la voie, donc le train repartait dans l'autre sens, c'est hors de question, et si on rate la Comédie Française, la représentation, c'est 30 000 euros qu'il faut payer de poche. Donc j'ai sauté, j'ai pris un taxi, ça m'a coûté 400 euros avec un gars. 30 000 euros de taxi. Voilà, et je suis arrivé à 20h25, ça a été à 20h30. Et ça m'a mis une belle suée. On a un court-métrage. Moi, par amour du risque, simplement, j'ai essayé de grimper la Tour Eiffel un soir et je conseille vraiment à tout le monde de pas le faire. Voilà. J'ai terminé entre les mains de la police surtout. J'ai pas pu la toucher, gars. Mais non. Ah, si, si. Moi, par amour, j'ai fait ce film. Voilà. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est une belle dinguerie. Ouais, moi elle s'appelait Anouchka, moi. C'était au collège. C'était vraiment mon amoureuse, quoi. Je l'aimais beaucoup. Super fille. C'est toujours ma pote d'ailleurs aujourd'hui. Ouais, Louise, je crois. Ton premier amour, tu t'en rappelles? Tu me parles pas comme ça, mais il est fou, quoi. Il pète les plombs, frère. En train de planter l'émission, là. Vraie première relation, est-ce que c'est Louise, est-ce que c'est Amandine, est-ce que c'est Sophie? On sait pas. Wow. Les trois en même temps. D'ailleurs, j'ai fait Louise et Amandine en même temps. C'est-à-dire? Bah, j'en avais une sous un bras, l'autre sous l'autre, et je roulais une pelle à l'une, une pelle à l'autre, je te jure. C'est que ça s'appelle le triolisme? Ouais, mais c'est illégal complètement. C'est pas illégal? Bah, en public, je crois. Si. Je sais pas. Du coup, un matin, je me suis pointé avec mon petit sac classique, et elle m'attendait. Ça faisait 2 mois qu'on avait une relation à trois, très cool. Et elle tapait du pied dans la cour, et elle m'ont dit: aujourd'hui, tu choisis. C'était la pire journée de ma vie. J'ai choisi Amandine. Désolé, Louise. Mais Louise est devenue ma meilleure amie, donc en fait, tout va bien. Priscille. Waouh. Priscille. Anouchka, Priscille. Premier grand amour. Mais ouais, assez tard, quel âge j'avais? 19. Très tard. Bah, tu te souviens de ton premier bisou? Ouais, ouais. Première pelle, 16 ans. Ouais. Quand j'étais au collège en 6ème, j'étais le gars qui chronométrait, moi, au collège. J'étais là, et il se passait les crocos, crocos verts, crocos blancs, pas blancs, je sais pas, crocos rouges, et j'étais là, et comme ça, et j'étais ce gars-là, je chronométrais. Il se passait les crocos, qu'est-ce que c'est que cette pratique? La première galoche à 16 ans avec un bon goût de banga, elle venait boire un grand verre de jus d'orange. Comment parler après ça? Mon premier bisou, c'était en primaire. Je jouais à 1, 2, 3 soleil. Je faisais 1, 2, 3 soleil. Mon amoureuse était comme ça en pause, bloquée. Et j'ai avancé comme ça. Je l'ai embrassée et je suis parti en courant. Et je l'ai embrassée. Après, j'avais honte. J'étais un gros lâche. Ah, elle a embrassé du bout des lèvres alors? Ouais, je vais pas rouler une grosse pelle pendant 2 minutes. En courant. Trop bizarre. Bon goût de banga. J'adore ça. Je pense Héros malgré lui, avec Gina Davis et Dustin Hoffman. J'étais choqué tellement j'étais amoureux d'elle et je comprenais pas ce qui m'arrivait. C'est les premières, je crois, c'est 4 mariages en enterrement, Andy McDowell. Ça m'a bien bien remué aussi. Hein. Un vieux film de Lubitsch qui s'appelle Rendez-vous, qui est trop beau. Monsieur culture. Et je plaisante, on est très amis. Enfin, on l'était. Les gens vont me détester, man. Ouais. Meilleure comédie romantique, il y a vraiment Un jour sans fin qui est dément. Notting Hill, j'en parlais tout à l'heure. La vie est belle de Frank Capra, qui est un film exceptionnel, mais qui est plus sur la famille. Sinon, il y a des films qui sont moins comédies, mais comme Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est ouf, comme Her. Donc c'est un peu tout ça, c'est un mélange. Maldon de Zouk Machine. Non, pas du tout. Bah franchement, je pense que t'emballes, au final. Et mi c'est nanomé des Maldon. Ah, t'es sûr d'emballer? Oh. Les Petits Clovers. Darling, faisons l'amour ce soir. Darling, faisons l'amour ce soir. À balle pendant le dîner, comme ça, elle comprend le message. Bon goût de banga. Bon goût de banga. Banga. Tchaïkovski, je vais le faire chier. L'album de Chet Baker, Sings.